On se réveille, debout les morts. Et boum. Salut petits amis, nous voilà revenus sur l'épopée interminable sur 30 mètres, sur, non pas 30 mètres, mais sur 500 mètres de Bobby la frite. Et c'est casse-couille. Alors ça, on va le mettre dans le casier privé. Il est où le truc qui est méga lourd là? Ça là. Ok, là je peux le mettre dans le véhicule. Ok, confirmé. Ok, on se barre. Alors c'est terminé. Aujourd'hui, je finis toutes les quêtes secondaires là que j'ai là. Et après c'est terminé hein. Parce que c'est interminable. Ce jeu a une durée de vie limitée si tu prends tout le temps toutes les quêtes. Les mecs s'arrêtent jamais. Ils demandent toujours de se faire livrer alors qu'ils habitent à 300 mètres quoi. Ça suffit. Donc là j'ai une quête qui est juste là. On va aller là. Le bateau s'est récupéré juste à côté. Passer par où d'ailleurs? Est-ce qu'il faut sortir par là? Oh, voiture miniature rare. Non mais ça suffit. Ah putain, par où on peut passer par là? Ah, j'ai l'impression que je ferais mieux d'y aller à pied là. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Rogers. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Accroché. Vous êtes bienvenue dans la ville relève. Continuez jusqu'au centre de distribution. Accroché. Ok, on va y aller à pied d'ici là. J'ai mon petit café. Là, je me donne une heure là pour finir cette merde une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'il peut grimper? Il peut pas grimper. Ah si, peut-être. J'ai l'impression qu'il peut pas. Mais attends, mais comment je fais pour passer? C'est quoi cette arnaque? Bienvenue dans la ville relève là. Continuez jusqu'au centre de distribution. Attends, il me fait un petit chemin là. Ok, il faudrait que je passe par là. Ok. Ah putain, c'est dans ce tunnel là. Ah mais on revient au port là. Ah c'est putain, c'est bien de revenir dans ce décor qu'on a vu qu'une fois. Une échelle. Qu'est-ce que ça fout par terre, bordel? Wow, 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 c'est quoi tous ces trucs là? Wow, wow, c'est quoi tout ça? Merde, faut que j'amène mon camion. C'est un peu lourd.
Ok. Putain les mecs, vous avez personne ici qui peut faire ça. Je suis obligé de marcher lentement pour éviter qu'il se pète la gueule. Des tonnes à récupérer. On va amener le camion. C'était vraiment juste. Oh putain, mec. Arrête de te péter la gueule. Mais tu marches tout doucement là. C'est pas passé. Allez, on réaccélère un petit peu parce qu'on n'a pas toute la journée. Ce jeu est génial, j'adore ce jeu. Là pour le coup c'est vraiment un jeu de livreur là. Oui, je suis très content aussi de vous revoir, salaud. Putain, t'es obligé d'être en appui constant sur la souris. Je suis obligé de laisser appuyer de manière constante sur le clic gauche et le clic droit pour qu'il garde l'équilibre. Bienvenue. De gérer avec les flèches. C'est relou. Ah, je peux peut-être faire ça avec la moto, peut-être ça sera plus rapide. Ok. Oui, 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 il manque des trucs. Non mais c'est pas fini encore. Ah, la quête est finie ? On verra à la prochaine livraison alors. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accepter. Email reçu. Oh non ! Attends. Marchandise perdue, échelle, oui, oui. Allez. Oui, tu veux pas me filer 3 XP pour une échelle? Attends, je vais prendre la moto. Mais du coup, la quête est terminée? Ah, putain, ils me l'ont viré. D'accord, en fait, fallait livrer le max qu'on pouvait prendre, quoi. Ah, ça a disparu, du coup. D'accord. Ornement. J'ai que ça à foutre, moi, vous livrez des ornements, non mais dis donc. Ah putain, mais y'a... Oh là là, il y a des trucs partout. Ah. Et cette moto qui a une physique, elle coupe le couteau. Ce jeu est génial. Et du coup je vais aller là. Merde. Ah. Oh, salut Junk Tech. Bien ou bien? Et oui, la forme. Ah, la moto, on s'en fout. Bien. Ok, allons voir l'ingénieur. Et on va se débarrasser de toutes les merdes. Allez,
charger un peu. Voilà. Je vais faire le tour des Grands Ducs. Ingénieur, ancien bricoleur, et après je me barre. Ça suffit. Ingénieur, ok. Ok. D'ailleurs, c'est chiant qu'il n'y ait pas une route pour accéder à l'ancien. Putain, pour y aller, c'est chiant. La route, oui, je l'ai un peu agrandie, mais pas. Pour continuer à l'agrandir, faut amener du putain de stuff, quoi. C'est interminable, faut faire des milliards d'allers-retours. J'aurais peut-être un autre pan d'autoroute qui pourrait être terminé. Et c'est chiant. C'est interminable, ça fait des heures et des heures que je suis ici, là. Ça fait des jours. Marchandise confirmée. Merci. Que je suis dans cette zone de merde. C'était drôle pendant les 15 premières heures, mais les 15 heures suivantes, merde. Hein ? Oui, oui. Merci. Tu commences à te lasser. Mais je pense. Mais après, c'est. Bah, c'est parce que je me suis fait chier un peu avec cette autoroute. Et que. J'ai regardé un peu pour les quêtes secondaires. Mais du coup, c'est interminable. C'est vraiment interminable. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oh, on n'a pas le temps. L'autoroute est là. L'ancien, c'est là-bas. Putain, il y a un mec qui a construit un truc de véhicule ici, là. En fait, j'aimerais juste que... C'est... Oh non, pour l'ingénieur, non, je récupère pas. Non, non, ça suffit. Ancien au mieux. Ça oui. Parce que c'est ma dernière destination. Mais arrêtez de faire tomber vos trucs par terre. C'est incroyable. Putain, je me demande comment ça va être la suite du jeu dans les autres zones. Si ça va être tout le temps comme ça quoi. Tout le temps ramasser les trucs par terre. C'est chiant. C'est... En fait, le plus chiant, c'est que ça repop tout le temps, en fait. Ça, c'est dommage. Il est où, le truc de l'ancien ? Il n'y a pas un truc de l'ancien, là ? Non, il n'y a plus ? Eh ben, tant pis pour lui. Alors, il y a des échelles, il y a des trucs... Mais pourquoi il y a des motos, là ? Les mecs, ils laissent leur moto. C'est pas normal. Ok, alors faut que je récupère les trucs pour l'ancien. Ingénieur, bricoleur, ancien. Ok, confirmé. Ok, il y a un peu de céramique à récupérer, ça c'est bien. Bah, prends-le. Hop. Non, non,
Le bébé va se réveiller, ça va être chiant. Ah merde, c'est pas une échelle, c'est un truc pour descendre. Quelle est la demeure de l'ancien là? C'est là. Putain, j'ai... Heureusement qu'il n'y a pas un mec qui habite tout là-haut sur le pic là. Et qui fait du ski. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Parce que lui il est casse-couille de cette foutue ici lui. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Ah voilà, t'as ton stylo, t'es content? Oui. Awesome, putain. Il est fou lui. D'où Awesome quoi, on a mis 15 ans à lui livrer son putain de stylo. Ouais. Oula. Le lore. Ah mais du coup on augmente le truc qui râle. Fallait quand même passer le voir, ce petit vieux, petit mignon, voilà. Comme ça, grâce à lui, les États-Unis seront plus forts. Grâce à lui. Ne pleure pas comme ça. Oula. On me dit pas qu'on a débloqué une nouvelle zone. La mission de Vogue. L'Amérique du passé. C'est bon? Je... Oui, tu as la DSL. A bientôt! Au travail. Nouvelle commande. Allez, on se débarrasse de ces merdes. On va faire la commande du robot. Et on va prendre ce qui rapporte le plus. Déploiement du bot de livraison. Alors ça on s'en fout. Ok. Ok, l'ancien c'est fait. Ingénieur c'est fait. Donc là faut que je récupère. Pour l'ingénieur, une saloperie. Fin de l'interdiction des armes. Je retourne à mon camion. Il y a une route là en fait. Est-ce que c'est pas un peu trop abrupt? Si, certainement, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas le temps. C'est bon. Elle est super bien placée ton échelle. Pauvre con. C'est la pire échelle de toutes les échelles possibles. Mieux que Watch Dog Légion quand même.
Alors, hop là, c'est ça s'est passé. Allez, on va au camp des mules. On va les mulifier. Là, il y a de la merde qui râle. Ok. Tiens, bouffe. Ah, il est pied. Oula. Allez, deux d'un coup, c'est possible? Non. Putain, mais il m'enlève mon stuff. Ah, dégage-toi. Ah putain! Merde, je suis tombé par terre! Ah merde, putain, j'ai plus de vie! Ah, je pensais pas qu'ils allaient me faire autant de mal là! Ok. Maintenant c'est à toi. Voilà. Faut que je les calme. Est-ce qu'il est... Il y a un autre qui se débat là. Hop là, tu te relèves pas. Il y a de la merde partout. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Oh putain! Oh putain! Ah, est-ce que je peux me décharger dans mon véhicule? Ça, c'est ça. Là, j'ai plus de place. Thank you.
Ok, est-ce que je peux récupérer encore un peu de matos? Il y a de la céramique. Ah putain, non, je peux pas. Ah, bon, faut que je pose un truc au sol. Ça et ça déjà, on s'en tape. Ok. Bon, ça ira, je vais aller me décharger là pour aller construire l'autoroute. Parce que là je pense que j'ai assez de stuff. Et c'est juste à côté. Ok. Je vais peut-être même pouvoir faire un aller-retour. Oh merde, batterie presque vide. Ouh, c'est pas bon ça. Juste à côté du pont. Bon, je devrais pouvoir fabriquer un truc. Bon. Je viens de perdre un équipement. Construction terminée. J'ai utilisé le CCP. Je devrais avoir plus de place. Oh, je peux toujours pas. J'ai quoi là? Ça, je m'en fous. Putain, je peux pas monter de cette merde. Bon, je vais décharger un gros truc là. Où ça? Décharger. Voilà, putain. Juste pour une petite merde. Mais j'ai... alors que je conduisais le véhicule il n'y a pas deux secondes. Je suis fou quand même. Ah, tu m'emmerdes. Bon, vas-y, on passe le pont. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là, c'est celui qui est là-bas. Ok. Donc là, normalement, je crois que ça devrait être suffisant pour finir l'autoroute.
Boum! Eh ben dis donc. Ok, il reste encore un morceau là-bas. Et il y a toujours des motos qui traînent. Les mecs abandonnent leurs motos, quoi, c'est dingue. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me recharge encore en métaux et céramique. Apparemment, j'ai laissé un objet par terre, là, j'aurais pas dû. Un objet de quête. Chier. Ok. On va les récupérer. Super chargé en céramique, métaux et tout ça. Et que l'autoroute n'est pas encore terminée. Il y a des milliards de pans d'autoroute à faire. J'espère que les mules ne vont pas rip-hop là. Ah, reviens. Du chiral. On va le ramasser. Pourquoi ça rame? Ok. Ok, il y a plein de trucs. Voilà, je crois que là-dedans en plus il y avait plein de trucs. Mais je vais pas faire 15 000 allers-retours, hein. Je vais en faire juste un seul. Oh, ça dépasse déjà le poids. Putain de merde. Instrument de précision. 1 sur 4. C'est ça qu'il fallait récupérer ? Je sais plus là. Alors, récupération fragile, instrument de précision. Ouais, ok, c'est ça. Ok. Bon, après, vous arrêtez de m'emmerder, fragile, tout ça, hein ? Ah, un autre lance-bolas. Le cul est full, lui. Magnifique. Oh, je suis trop chargé, mais va te faire foutre. Alors, j'ai que des... En fait, j'ai trop de trucs de quête. C'est casse-couille. Bon, bah vas-y, j'abandonne le matos, bah les couilles. Encore ? Ah putain, mais... Ah, ah.
Et du coup, faut ramener à l'ingénieur. Donc, on va aller d'abord sur l'ingénieur. J'ai détruit la céramique. Vu qu'il est pas loin, comme ça, on repasse par le campement des mules. Marchandises perdues, ça suffit. Il y en a bien trop comme ça. Lancement du scan. Attends, je charge super vite. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Ah merde, deux sur... Oh putain! Livraison partielle. Je m'en fous. Donne-moi XP, je m'en fous. Oh, niveau 3. Oh. Oh. Niveau 151, ça ne s'arrête plus. Au travail. Nouvelle commande. Attends, mais ça veut dire, est-ce que... Parce que moi, ce que j'ai, c'est quoi? C'est niveau 1, non? Et oui, c'est level 1. Ok, bon, on va se faire le nouveau. Doré, argenté. Et celui-là, c'est celui de base. Doré. Ça consomme exactement le même truc. Ok, bon, on va faire le doré, on va voir ce que ça donne. S'équiper. Ah oui, c'est dégueulasse. Putain, c'est tellement dégueulasse. Je vais en faire un autre. Bon, argenté, je suppose qu'il est aussi dégueulasse. Je vais faire le normal. Quelle idée de faire des trucs aussi dégueulasses. Voilà. Je peux porter 310 kilos. Là, on ne rigole plus, là. Oula. Casier privé. J'ai des trucs ici? Non. Ok, recycler. Ça. Ça. Celui-là qui est quasiment vide, on va le recycler. Allez, ça suffit. Mais attends, mais je me pose une question. Est-ce que je peux recycler le métal comme ça ? Que du coup j'ai plus besoin de le transporter. Attends, je veux faire un test. Sans de métal là, si je le recycle, ça me fait combien? D'accord. Putain, mais en fait c'est ça le bon bail. Parce que du coup, putain, je viens de comprendre. Le fait de recycler toutes ces merdes là, comme ça après j'y accède n'importe où ailleurs. Donc vas-y, je vais faire ça.
Je viens seulement de comprendre. Du coup, on peut le recycler, ça, aussi? Non, ça, on ne peut pas. Ah, le surplus de matériaux sera jeté. Comment ça? Ah, parce que j'ai une quantité max, d'accord. Ok, bon ouais, c'est pas grave, j'ai perdu des trucs. On s'en fout. Ça c'est pour le bricoleur. Merde. Ah non, l'ancien, ça suffit. Non, on n'accepte rien. Merci pour votre contribution. Ok, bon, j'ai perdu un peu de stuff, mais c'est pas grave. Oui, à bientôt. Alors, du coup, je recharge un petit peu. Je retourne au camp des mules. Là, je me suis quand même pas mal déchargé, donc je vais pouvoir reprendre un peu de leur stuff. Et je go direction bricoleur, où là, il y a une autre plateforme autoroute où je pourrais me décharger en métaux, céramique et tout ces trucs. Oh putain, 200 de métal qui pop comme ça soudainement. Ah. Et à tous les coups, ils ont repop ces enfants. Et re, mamie sister. Ouais, ils ont repop. Ils sont chiants. Oh, salut, merci Raph. Ils ont pas ripop. Oh, trop bien. Oh, ça c'est trop bien. Ok. Mais vite, avant qu'ils repop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre merde? Oui, il y a d'autres merdes. Putain, mais c'est dingue, c'est les trafiquants de céramique ou quoi là? Non, je vais. Ah, je perds le stuff. J'étais sûr. C'est passé. Ils ont piqué toutes les chiottes de l'ancien monde. Quoi?
si tu veux dire. Ah oui, toutes les chiottes en cervix. Je viens de comprendre. J'avoue. Oh putain. C'était le bon bail. À un moment donné, je pourrais pas tout mettre dedans, mais... Ok, est-ce que je peux utiliser le véhicule? Ok, maximum. C'est le maximum, voilà, et j'abandonne tout ça. Merde. Quoi? Attends, composant de récupération. Ah merde, mais il m'a fait tomber des trucs vachement essentiels là. Oula oula. Oula, mais j'avais pas vu qu'il... Oula, il y a des emails. Oh! Ah oui, mais tout ça c'est des trucs de quête, je peux pas les abandonner. Composant de récupération, bois résistant, et tout ça je suis obligé de l'avoir. Ok, bah tout ça j'abandonne. Hein. Et attends, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que tous ces trucs de quête là... Confirmé. Ok, sauf que j'ai toujours trop de trucs. Donc je vais décharger un gros truc, je pense. Ok, ça, ça va. Ça, ça va. Bon, on se casse, ça suffit. Direction le bricoleur, là, pour se décharger complètement de ces trucs de quête qui nous prennent trop de place. Et ceux qui repotent tout le temps. Décourtissent les gens. De toute façon, il y a tout qui repop tout le temps. Si les choses ne repopaient pas tout le temps permanent, ce jeu serait juste parfait. Charge de cette merde. Petit passage de niveau. Je voulais vous dire, prenez-le. Oui. Ah, du stuff. Grenade hématique personnalisée. Ok, une de plus. Ça prend tellement de place.
Ah mais oui, il y a de la céramique là aussi. Ouh la vache. J'en ai partout. J'avais laissé de la céramique. Oh, il en chie. Vous voir agir, Sam. Ah oui, ça te donne de l'espoir de me voir galérer comme ça. Parce que moi, ça me fait chier. T'as 268 kilos. Est-ce que j'ai des trucs à recycler? Non. Ok, alors on va se casser. Et on va voir si on peut se décharger. Ah merde, évidemment, je ne peux pas utiliser le véhicule. Ça, c'est quoi ça? Ah oui. Tout est céramique. Mais c'est pour finir de construire l'autoroute. C'est chiant, le véhicule, mais regardez-moi toute cette place. Mais c'est fou, ça. Normalement, j'ai suffisamment de place pour mettre au moins, je sais pas moi, 15 vaches. Oh, salut, mais t'es ou pas là? Merci pour ton follow, ma poule. Bon, vas-y. Je décharge les petits trucs. Je vais garder quand même le métal. Parce que les autres trucs, c'est quand même 800, quoi. Ok, est-ce que je peux quand même mettre les petits trucs, là? Ah, ça, c'est un truc de quête. Il faut que je l'emmène. Ah, il y en a juste un qui est emmerdant. Ok, confirmé. Ok. Une route que vous avez reconstruite a été utilisée par quelqu'un d'autre. C'est génial. Eh non, ça je peux pas. Putain, je peux pas juste poser ça sur le siège passager, bordel. Ah là 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 là. Bon, ça c'est le truc de quête. Ah non, mais ça c'est le camion, ça. Ouais, tu vas rester là et espérons qu'il ne pleuvra pas. Alors normalement, il y a une autoroute à finir de construire par là-bas. On va se décharger là. Ah merde, j'ai pas rechargé la batterie. Recharge-toi. Regardez-moi ça, toute cette place! Il y a 6 sièges passagers qui ne servent à rien. Je n'ai pas de passagers. Tout le stuff que je pourrais transporter, bordel! Alors certes, ça utiliserait plus de batterie, parce que dans cet univers, les véhicules ne roulent que 10 minutes. Et encore, 5 minutes. Et j'ai encore tellement de choses à découvrir là-bas, c'est fou. Je vais vraiment, je vais arrêter les quêtes secondaires, c'est terminé. Je ne veux plus... de quête secondaire, bordel. Okay. Et je veux qu'on me donne un vrai véhicule. Oh merde, il se met à pleuvoir. Alors combien qu'il faut là? Ok. Ah merde. Oh, c'est pas grave, je vais perdre du stuff.
C'est pas grave, je suis plus... Ok. Putain, il va y avoir des échoués du coup. Les outils au bricoleur, elle va tirer ses fiches au ciel. Si seulement. Donc là, du coup, l'autoroute elle va se construire par là-bas. Et là, mon véhicule va s'abîmer. Où il y a des échoués. Là, c'est une zone que je n'ai pas encore débloquée ici. Oh putain, je suis pile sur un échoué. Cassos, casse-toi. Ah, pauvre con. Non. Ah non, 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 non. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai roulé doucement? Enfin, pourquoi j'ai... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah. Va chercher le camion! J'ai un nouveau PC, c'est bon. Pourquoi mon PC RAM? Je veux dire, tout va bien, le processeur tout va bien. Et tout qui va bien. J'ai lag. Qu'est-ce que je me suis fait chier à venir ici, j'aurais pas dû. Ah ouais non, j'ai perdu mon véhicule. Ok. Mais je vais pas pouvoir tout porter là. Ah, ça passe pas. Ah bah il fait beau. C'est quoi ça? Il s'est passé quoi? Ok, c'était pas une bonne idée. On se casse. Putain, mon véhicule est tout dégueulasse maintenant. Ok. J'avoue, je suis pitié. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qui est rouge là? C'est une moto? Le mec qui a laissé une moto rouge ici. Ah putain. Rouge bien pétant. La carte, bricoleur, tout ça c'est fait, ingénieur. Là il me dit qu'il faudrait que je retourne à la ville du lac, mais on va aller au centre, au sud là. Ça, ça suffit, on augmente, on avance les quêtes là. Ah c'est con, mon véhicule est tout dégueulasse. Ouais.
C'est moi qui ai construit tout ça. Je suis content. Après des heures et des heures de jeu. Ah merde, là je passe par là. Je passe par là. Charger le camion. Ça en fait de la quête annexe. Et c'était même pas une quête. C'était même pas obligatoire. En fait, là où j'ai perdu du temps en plus, c'était les quêtes annexes. Ça m'a fait perdre du temps sur ma construction épique. Ah oui, non, ça suffit. Alors, je ramasse plus rien au sol, hein. C'est de la merde. Sauf si c'est du métal à la rigueur, parce que céramique, j'en ai trop. Résine aussi, il y en a partout, tout le temps, c'est chiant. Ah voilà, là c'est l'autre point d'autoroute, donc je vais pouvoir me décharger de la céramique. Il y en a 15 000. Il y en a vraiment 15 000. Mais j'ai vraiment envie de voir, de savoir qu'est-ce que ça fait, quoi, une fois que l'autoroute est terminée. Je suis curieux, quoi. Est-ce que on est, du coup, le président tellement de métal. Alors, au moins il y a tout ça qu'il faut. Tu dis tu reçois un message où ils te disent merci. Bah écoute, ça m'irait. Ça serait suffisant à mon bonheur. C'est quoi ça? Ah bah c'est juste à côté, bah du coup je vais le prendre. Et en plus il y a des gens qui prennent mon autoroute. Dans le jeu. C'est incroyable, c'est comme si avant, personne n'avait jamais construit l'autoroute dans ce putain de jeu. Alors ça n'existait pas avant, j'en sais rien. On s'en fout. Il y a de l'air céramique. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Oh, ça bug encore. Oh non, le jeu bug encore. Accès autorisé. Ah, c'est blanc, c'est beau. C'est la deuxième fois que ça me le fait, ça. C'est dommage. Faire une livraison. Commande partielle, oui, bah écoute, on fait pas d'omelette. Alors, vous vous en êtes. Chut. Prends le matos et fais pas chier. Ah, il me file encore plus de céramique, merci. Je pensais au clip Camtar de Ultra Vomi. Ah, je connais pas. Oh, salut, tout Kev. J'ai eu la note de A, c'est bien ça, non? A, c'est comme A ou somme. Parler de Rammstein, d'accord. Oh, tout cas, il est en train de jouer à Genshin Impact, apparemment. Ah, j'ai accès qu'aux motos, c'est chiant.
Eh ben ça va, toi. Mais apparemment, il y a le Graal qui m'a dit que j'ai bientôt accès au véhicule que je pourrais débloquer moi-même, parce que ça, c'est un véhicule volé. Je me fais toutes les géos, etc. accepter des commandes. Ah, je peux utiliser mon bot. Ok. Il va faire ça. Et ça, c'est pour l'ancien. Alors, il va se faire foutre, hein, l'ancien. Se reposer dans une chambre privée. Je pense que Norman Reedus... Regardez-moi sa gueule. Ah, sale journée encore, bordel. Il manque tous les objets de la chambre. Le jeu est cassé. Ah oui, non, mais alors, il n'y a plus de mur. Hein. Ah, je flotte dans la grève. Je suis dans ma grève à moi. Ah, c'est trop marrant. On voit. D'accord, putain, le glitch. D'accord, donc c'est marrant parce que la chambre, du coup, ils le mettent dans le vrai univers, en fait. Ils le mettent en sous-sol, dans le vrai univers. Donc c'est pas de la triche. Mais en fait, il n'y a qu'une chambre, en fait. Tu descends, c'est une chambre. Il n'y a pas de couloir, il n'y a que dalle. Bon, regardons nos Gmail. Voilà, on va finir l'épisode là-dessus. Parce que ça fait une éternité que j'ai pas lu mes emails. Et je suis sûr que j'en ai des milliards. Ah non, pas tant que ça. Salut Sam, vous vous souvenez du porteur? Sam Porter! Ah, Bridges! Et aussitôt, s'il s'est élevé, nanana, c'est dingue! Ah, lui, il a un point d'exclamation. Tout va comme vous voulez, Sam. Vous avez testé les grenades que je vous ai données. J'ai essayé de voir comment faire. Bah oui. Oui, c'est les grenades niveau 2. Oui, bah on s'en fout de ça. J'ai envoyé mon rapport sur l'avancement de mes travaux. Je sais que l'unité Evo Devo utilise le réseau Kiral. On s'en fout de ça. Oh oui, le vieux. Ah, laisse-moi te raconter l'histoire du bon vieux temps. Quand les USA étaient encore au sommet de leur gloire et que on roulait encore à l'huile et que le monde n'était pas encore complètement parti à volo. Parce que là, tout à volo, on avait un président voilà, qui avait pour ambition de construire un mur gigantesque aux frontières. Ah merde, ça charge. Putain, ça charge Trump. Mais devine où j'étais né, moi. Et oui, de l'autre côté, hein. Tout serait construit son foutu mur. Si son projet devait se réaliser, j'allais être complètement isolé de ma famille. De mes amis, de tout ce que j'avais laissé en passant la frontière. Pays de la liberté, mes fesses. C'est de la merde. Du coup, ça m'a donné à réfléchir. Vu que j'étais un immigré. D'où t'es un immigré, mec? Ça, c'est un immigré? Ok. Je suis arrivé que quoi que ce soit, est-ce que je serais en tête de liste pour recevoir de l'aide? Bah non. Bah, je pouvais me mettre un doigt dans le cul, c'est tout ce que je pouvais faire. Putain, ça charge Trump. Oh, les petits messages qui passent en scred, là. Ah, c'est très calme, hein, ces temps-ci. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Évidemment, effectivement, il n'y a rien qui se passe. Ok, bah ça va. Il n'y a pas eu trop d'emails. Voilà, par contre, on avait récupéré la Yamaha. Voilà, magnifique moto, une puissante moto de sport équipée d'un moteur basé sur le concept crossplane et construite autour de l'idée de performance synchronisée, offrant la satisfaction de voir la moto réagir comme on le souhaite. Les roboticiens et les ingénieurs parmi les Preppers espèrent être capables d'appliquer les mêmes principes pour développer une toute nouvelle machine de livraison connectée au réseau Chiral. Putain, il y a des milliards de trucs à débloquer.
Ah ouais, non mais... Oh, hé. Hey. Oh là là, là 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 là. Tant de choses si fragiles. Parapluie. Vous croyez que ce truc que porte fragile est un... Ah, c'est vrai que la forme y fait penser, mais vous vous trompez si ça peut vous conseiller. Moi aussi, je croyais que c'était un parapluie. Au début, en fait, c'est un appareil de navigation de son invention. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais j'ai entendu dire que ça mesurerait la densité chirale des grèves de façon à établir des coordonnées. D'accord. Donc, c'est le parapluie qui lui permet de se téléporter en passant par l'au-delà. D'accord. Elle fait la grève. Eh bien, c'est bon à savoir. Donc, tout se tient. Donc, du coup, sauvegardons. Ok. Et revenir à l'écran titre pour débugger le jeu. Et du coup, les amis, fin de cet épisode. Et petite pause pour le live. Hein. Je pense qu'on en a bien besoin, moi le premier. Les bisous et à la prochaine, bisous.